Laissez jouer le scorpion! Salut et bienvenue! On se retrouve sur le dernier épisode, du moins le dernier chapitre de Mercenaries Saga, Will of the White Lion, donc le premier Mercenaries Saga de la trilogie sur la Switch. Donc, le chapitre final, Demon, j'ai placé mes points de skill, j'ai débloqué les skills pour Muller ainsi que pour Bastion. J'ai débloqué la classe Mercenaire Warriors et Warlord. Donc on a débloqué ces skills-là et puis ceux-là. Donc ça c'est intéressant. J'ai fait même de même avec ici Mercenary et puis Vétéran. Donc on a débloqué d'autres skills pour Léon. Et puis pour ce qui est ici, j'ai fait Scout et Assassin, donc on a débloqué des skills que... Ah oui d'ailleurs, je les ai pas mis. Ok, hop là. Donc Dash, Poison, All Pod, Backstream, Vigilance, ça peut être sympa. Slayer, Assassin, Agile, Létal. Agile, on va augmenter, comme ça il y aura plus de chances d'éviter. Ensuite, Hit, Lower, ok, Assassiner, Damage, Up, When Attacking from Back, ok. Je sais pas si ça marche avec le pistolet. Si ça marche avec le pistolet, c'est génial. Dash, increase move on limited time. Ah, c'est bon ça. Poisoned, et puis voilà, on a plus de SP. Donc, la petite sauvegarde pour pas refaire ça si on a besoin de recommencer la mission. Et c'est parti, dernière mission du jeu. C'est le roi démon. Il dégage ce sentiment de danger imminent. Je me sens tellement oppressé. C'est différent de tout ce que nous avons vu. Cette aura maléfique est incroyable. Les éléments de la déesse Ramonea sont si faibles ici. Vraiment? Je ne ressens rien. C'est parce que tu es une tête de bloc. C'est fondamentalement un dieu. Je sais que j'ai dit que je les enverrais voler, mais je veux un peu battre en retraite. Je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est de la méchanceté ou quoi, mais ma peau, non, mes cheveux se dressent. Pouvons-nous réellement vaincre cela? Les démons et les monstres ne devraient pas être trop différents. Et il y a un précédent, donc c'est possible. Si c'est possible pour nous, cependant... Surprenant que le destin nous réserve... Hein, Baker? Oui, Alberto. Pensez que nous combattrions un roi démon. Mais nous sommes capables de surmonter cette épreuve. Alors. Soyez des héros, ou nous serons des héros. Et super populaires, Baker. Tu vas bien, crois. Je devrais... être prêt pour ça, mais mes jambes tremblent. Je ne peux pas faiblir. Je suis croix, envoyé ici pour remplir cette mission au nom de ma tribu. Bien, ce n'est pas le moment d'être timide. À tout le monde, croyez en vos camarades, ceux qui se sont battus jusqu'ici avec nous. C'est vrai! Nous avons traversé un pas de pont tremblant jusqu'à maintenant. Nous allons traverser celui-ci d'une manière ou d'une autre. Probablement. Que veux-tu dire probablement? Jeez. Et ce n'est pas non plus... Nous allons traverser cela. On va le faire. Nous allons leur montrer la puissance des lions blancs. Oh.
Edon et Balgar ont été vaincus, n'est-ce pas? Quelle bande d'humains capables! Vous êtes le roi des démons. Le roi qui gouverne le monde de la jalousie des esprits. Ahart, Nid. À une époque où nos mondes ont été séparés, il semble que les dieux ont disparu de votre monde. Les humains sont des imbéciles. Éloignez ceux qui voudraient les sauver. C'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous croient en nos dieux. Oh. Allez, traduit le logiciel. Un porteur de la lumière de Ramonea. Mais petite fille, il y a beaucoup plus de gens avec les ténèbres dans leur cœur que ceux qui croient en les dieux. Jalousie, la haine, les mensonges, la douleur, la cupidité, les conflits, tout cela ment comme preuve de notre existence. Les rois des ténèbres. Qui ? Qu'un chemin s'ouvre vers votre monde impie et le destin insiste pour que nous en prenions le contrôle. Les anneaux du destin sont incontournables. Nous, les humains, sommes peut-être des imbéciles, je ne le nierai pas. Mais, c'est pourquoi nous pouvons nous vous opposer au destin. C'est pourquoi nous croyons à un destin bien différent nous attend. C'est ce que tu penses. Alors, je te ferai réaliser à quel point tes erreurs ont conduit à votre propre disparition. Allez hop, c'est parti. Et non, il n'est pas seul. Ok, il y a des Magic Craft, des Calamity. B. Et hop, va falloir battre ça. Puis nous avons 4 ennemis ici, plus 4 autres, plus 4 autres, et le boss. Ça va être une sacrée bataille. Alors, est-ce que ça bouge ça? Non, ça ne bouge pas. Ok, je vais peut-être pouvoir le faire des tornados là-dessus. Donc on se met au centre, on prend Ron Mel. C'est quoi les niveaux des ennemis? 48. 48. Le boss il va être 52, quelque chose comme ça. Ou 50 pile. 55, wouhou! Alors, Leon. Muller. Myria, Julia, Bastion. Et c'est parti. Alors, Tornado. Oups, non, une case. Donc, Léon, t'avances de 1 et tu jettes un caillou. 24 de dégâts. Boum. 17. Oups. Ils ont une résistance de 75 à toutes les magies. À toutes. Bon, ils ont juste à peu près 200 points de vie. Ça va prendre plusieurs tours pour les battre. Tout dépend ce qu'ils font comme dégâts. Allez hop, on va rajouter une attaque ici. 32, oh mon dieu. Ouais, c'est résistant cette affaire-là. Ouh, ça répond à distance en plus. Allez hop, un petit coup de fusil. 23. Ah ah ah, le prod d'esquive. Mind Shock. Ça touche sur une seule case, Divine Hammer, ça c'est autour d'elle, et God Wrath. Ok, hop, on va se mettre juste une case ici. Ah, ça serait bien si je me mettais des protections avant tout ça, non? Là, j'ai splitté mon monde. Alors, voyons voir quelle douche je vais me prendre. Bon, moi le boss a pas l'air de faire de skill sur tout le monde.
On n'est pas limité dans le nombre de tours. On va prendre notre temps. Ok. Ah, facile. Une de moins. Oh, c'est poison. Alors, un petit Godrat. Ok, bon. Toi, tu restes ici. Un healing, tout simple. Bon, c'était évident. Oh, bastion qui a pas de résistance magique. Ok, puis les chiens ils soignent. Donc j'avais dit, hein, je peux prendre mon temps, mais je peux pas tellement prendre mon temps. Tornado, 66, ça va faire 46 de dégâts. Bon, il y en aura une autre de moins. Ok, on va regrouper le monde. Ok, s'il fait son 49... Ah, il reste 2 points de vie à la fin. Ok. Ok, parfait, ça a réussi. Et hop, healing area. Je peux pas toucher tout le monde. Bon, la bastion, faut qu'il prenne ses points de vie. Et puis toi, tu vas lancer une pierre comme ça. Lui, il est mort. Ah, je vais peut-être plus bouger bastion tout simplement. Ont-ils perdu leur protection? Ah ouais! L'autre skill de l'autre là, du boss, a retiré tous mes effets bonus. Oh! Il va plus gagner de mana pendant un petit bout. En fait plus effet, c'est parfait. Maintenant, toi, t'es faible au Holy et au Fire. Donc, voilà, t'es carbonisé. On remet un Protect ici. Oh yeah.
healing. Hello. Alors, please, 1, 2, 3, ok, ça touche sur 3, c'est bon ça. Mais on va faire accelerate. Dex agi, hop. Quelque chose dans le. Ok, le boss n'a toujours pas réattaqué, donc au moins c'est pas à toutes les deux tours. Mais ça peut être aléatoire. Bon, lui, curse. Poison, low, blind, steel, paralysis. Tous les malus. Au moins le démon il a bougé. Donc, étant donné qu'il y a un toutou, pour faire un. Ah mince, ça touche pas. Pas assez loin. Tornado. Ok, toi j'espère que ton cure il est assez haut niveau pour retirer au moins le paralysis. Non, ça va pas retirer le paralysis. Non. Bon, ouais, tu t'en vas là. Blazing, ça rien. On va faire ignore. Et puis là, hop, il est mort lui. Voilà. Bah, j'ai pas de soin à faire, donc je peux faire mon cure. Niveau 8. Hop là. Ce qui fait que tu vas pouvoir attaquer. Airline Spark. Ça fait juste 3 de hauteur. Molotov. Oui. Ça fait pas très mal, mais bon, ça touche tout le monde. Ok, le boss fait toujours pas d'attaque, ça c'est toujours bon. Bon, tant que le chien il soigne les tours, moi je m'en fous. Hein. Les tours m'attaquent pas et le chien m'attaque pas. Donc rester prudent. Donc ici il fait une attaque normale, touche, voilà. Là tu fais fireball, bye bye le toutou. Après il va rester le gros dude. Donc papam papam papam, est-ce que je me mets quand même au corps à corps ou je lance des cailloux? C'est un super caillou. Alors, on va faire protection ici. Et est-ce que je peux faire bless avec elle? Non, elle a pas bless. Elle a high healing. Ok, donc elle a rien d'autre pour booster les autres. Self defense. Ok, donc là normalement soit il fait. Non, il fait toujours rien. Son no escape niveau 8, là ça doit dû lui bouffer toute sa mana, ça lui prend je sais pas combien de tours pour la récupérer, hein. Ça doit ressembler à ça. Tornado. 46, 95, on va pouvoir la finir au corps à corps, ou avec petit tir comme ça, hop là. Voilà,
Il va en rester plus qu'une. Alors, est-ce que toi, ta Sanctuary... touche. Et God Wrath, est-ce que ça va toucher? À la bonne distance. Et tu, là, tu as fait Divine Hammer. Ok, c'est pas très puissant. Lui va faire 100 skills. Voilà. Combien de mauves? 0. Ça, ça va faire mal. Heureusement que j'étais en mode défense. Ah non, non, il avait attaqué au tour d'avant. Ok, bah. On va rapprocher. Bon, fini la petite tourelle. Donc là, je n'ai plus de protec. Tout a été retiré. Donc, on va se le remettre. Ok, une attaque normale sera suffisante. Oh. Ouais, faut que je reste groupé pour pouvoir faire des area heal à chaque tour. Alors, Earthquake niveau 1, juste pour. Boum! C'est tout le monde. Alors, toi, tu t'approches. Kill, non, tu économises. Pas trop sa mana, mais faudrait que je lui fasse enhance, même si ça sera pas nécessaire si l'autre il fait des no escape à chaque tour. Alors lui, il faut que je fasse avancer le chien, il avance de 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc si je le mets ici, il va pouvoir m'attaquer, et on fait defense. Toi, t'as pas de. Toujours pas de truc. Si, la store maintenant. Ok, bon. J'avais accumulé assez de mana pour le faire deux fois. Donc, a priori, oui, il pourrait le faire aux deux tours. Donc là, on a Dark Flame. Ouf. Ouais, Defense, ça fait pas si mal. Tant mieux. Et puis, lui qui va faire Merciless Blow. Eux, il ne bouge pas, lui il store. Il faudra le péter à distance avant qu'il nous fasse une grosse claque dans la gueule. Ok, bon, allez, on carbonise le chien. Et après, on pète le demon. Ok, Muller, tu t'envoies ici dans le coin. Skill. Voyons voir ce qu'on a de nouveau qui peut être intéressant. T'as Headbash. Damage plus silence. Flame Edge. Lui, il est faible au Holy.
406, c'est bon. Ok, maintenant on rapproche un peu les gens. Si tu te mets sur la ligne ici, tu vas pouvoir tirer. Pouf! Alors, est-ce qu'il y a un skill que tu peux faire? Non, non, non. Donc, tu vas rajouter protection sur qui l'a pas. Bah, Léon. Pitolia. Oups. Juste un healing, ça va suffire. C'est le seul qui a pris du dégât. C'est notre Léon national. Rapide attaque devrait suffire. Oui. Ok. Oh, encore un no escape. Et boum, peu de bonus. Alors, on se regroupe et on se heal. Donc, on va aller se rapprocher de l'autre côté. Alors, est-ce que... Voilà, ça... Oui, ça marche sur les distances de pistolet, donc ça c'est très bon. Alors, backstep, augmente l'évitement. Esquive. Alors, Muller, tu te rapproches ici, hop. Fire. Ground stance. Hop. Protection. Je vois qu'il y a une espèce de petit lag là, ça veut dire qu'il va lancer son skill. Ouh, ça fait mal à Bastion là. Bon, lui il va se soigner, petit chien. Ok. Alors là, le jeu il a un gros défaut. C'est que je pourrais me soigner à chaque tour, faire Earthquake avec Rodmel à chaque tour et je finirais, ça serait long, mais je finirais par battre le boss. À part si le chien, il finirait par le soigner à chaque tour, donc c'est pas une bonne idée. Yep, 50. Donc... on va se refaire un petit Earthquake niveau 3 cette fois-ci. Boum. Alors, donc lui, il a encore son Story Wars 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets ici, hop là, en position de défense. Hop, ici. On fait store. Search pour faire de l'XP. Et puis ici, on va remettre protection. J'ai pas fait attention, ils l'ont pu. Dark Flame. Oh, Burn Flare.
Lui, il va faire mal, même si je suis en défense et même si j'ai protection. Ah non! Il a fait l'attaque normale. Oui, un petit level up, ça fait du bien. Allez hop, on continue notre petit affaiblissement pour tout le monde. Ensuite, on va faire du soin avec Myriam, avec Myria. Donc là, je pourrais m'amuser à faire du Sanctuary. Vu que ce sont des démons, ça devrait leur faire mal. Oh les... Oh, ça a raté sur là. Ok, donc toi... Tu vas faire Arteris Up. Face Fury. Am. Et puis Muller. avec l'attaque normale. Boum. Et voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à avancer un petit peu ici. Puis faire un First Head. Pas de no escape, ça c'est bon. Donc là, faut juste réussir à amener les deux du côté. Ah, je pourrais mettre Life Barrier à un Ronin. Bon, pour l'instant, il est pas ciblé. Mais... Oh, ça a raté sur le boss. Ça tombe, ça rate depuis le début. Remarque, non, il a l'air d'avoir perdu un petit peu de vie. Bon, alors... 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je me mets une case en avant. Il va sûrement faire no escape qui fait que tout le monde va perdre ses bonus. Provoke, allez hop. J'ai l'impression que le boss il fait deux, il peut faire deux actions par tour. Je sais pas pourquoi la switch elle rame, elle se rend deck pourtant. Pas comme si le jeu était gourmand. Alors, un skill fireball. Non, bon, ça c'est bon. Ronmel n'avait pas été touché de toute façon par nos escape. Alors, si toi tu te mets. Ah zut. On disait c'était de toucher 4 personnes avec protection, mais pour finir ça va être juste 3. Je sais vraiment pas c'est quoi la portée du boss. Mais je pense que je peux au moins me mettre ici. Case de plus peut-être. Ignore. T'es encore vivant?
peu le volume. Regarde bizarre sur la vidéo. Ok, on va faire un fireball, puis hop, c'est fini pour le démon. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, niveau 50 avant d'arriver au boss, ça peut être bien. Search. Gagner ton niveau, donc top niveau 49. Ça va quand même faire 5 à 6 niveaux de différence par rapport au boss. Je sais pas quel dégât il va faire, mais on le saura en temps voulu. Alors que je mette mes guerriers en avant et mon mage en arrière, puis toutes les autres en arrière. Ok, j'ai pas mal de mana, je vais pouvoir faire le niveau 5. Ah, est-ce que ça touche le boss? Non, ça fait miss à chaque fois en fait. Haha, moi qui pensais blesser le boss. Remarque, ça aurait été trop facile. Ça a touché. Donc ils ont prévu le coup. J'ai pas besoin de faire de... Là, on va faire bless. Statue... Hop, 1, 2, 3, 4, 5, donc normalement juste ici, ça devrait suffire. Allez, Léon, hop là, defense. Hop, wait. Touchera pas, search. Bomb Breaker. Avec le store, ça fait mal. Alors. Ah, puis en plus, il est paralyzé. Venge-toi avec un ignore. Ok, Maria, tu t'occupes de healing. Ah bah non, ça touche le boss. Pas à chaque fois, mais ça touche le boss pareil. Donc non, ils ont pas fait en sorte que ça serait long. Et lui, il avance toujours pas. On se regroupe.
dragon. Bastion. Ouais, Bastion. IKO. Bon, on va faire un abio. 100% de redonner 100% de vie. Voilà, hop là. Et puis, c'est Maria qui va s'occuper du Area Hill, même s'il n'est pas très haut niveau. Ici, par ailleurs, je devrais mettre fin à ces jours ou presque. Et Léon va pouvoir le finir. Et voilà. Donc, dernière phase, le boss. Dommage qu'on puisse pas faire de sauvegarde d'étape. J'aurais bien aimé. Alors, skill first. Hop, tu vas sauvegarder Rommel. Hop, c'est un point de vie, et puis toi, ouais, first aid, voilà, ça, on s'assure que tout le monde est presque full vie, donc là, soit il fait heal, soit il fait rien, bon, il fait son skill, et voilà, il fait deux actions par tour, bow to me, hein, m'a fait 8, de mana volée. Donc là, faut faire attention, apparemment il vole de la mana, donc il faut que je lui bloque sa route. Attends, est-ce que Müller va pouvoir avancer? Oui. Allez, hop, Müller, tu es là. Ok, alors. Garde break. Et il va me contrer avec 123. Ok. Ça m'énerve que la switch lag de même. Hop là. Ignore. 412. Il va avoir de la vie. Avant qu'il se fasse taper dessus. Voilà. Hop, distance, fireball ça passe pas, airblade, on va commencer par airblade. Oh, il y a des chances de rater les sorts. Ah, faut bien que ce soit un boss de fin de jeu. Ici, si je mets ici, tu devrais pouvoir attaquer 121. Et avec ça. Take this life. Oh! Oh! Ça fait 8. Ah, ça doit être en pourcentage? Ça, c'est pas bon! Est-ce que je peux faire Land Spear? Ah non, merde. On va faire Fireball. 300. Sinon, je fais plus de dégâts que la vie qu'il a volé. Par contre, il faut absolument pas que je perde Julia. We are heroes. Thank you.
compétences. Red Bash. Je pense pas que ça lui mettra silence. Mais si ça marche, pourquoi pas. Donc là, on va l'attaquer par derrière et. Pas tuer le boss en un coup, ça c'est sûr. Allez hop. C'est hallucinant le nombre de points de vie que le boss il a. Bon. Ouf. Bon, il récupérera pas beaucoup de vie avec ça. Plus à rater, tiens, dans ta face. Grand Spear, 359. Alors là, je dois pouvoir faire... Bon, on peut faire un Area of Healing, là, tout le monde a pris des dégâts. Pour rapprocher Léon. Tant bleu. 526. Ignore. 546. Est-ce que j'ai Master 416? Non. Garde break niveau 1, ça fera pas. C'est juste de voir Power Swing 50% 600 par contre. Rapide Attack 489. Donc, non, la meilleure, ça reste Ignore. Mais Stun Blow, si je peux le paralyser, je pense qu'il va être immunisé. Mais bon, prenons une chance. Attaque qui peut pas être contrée, de toute façon à deux distances peut pas être contrée. Donc là, impair, augmente les critiques. 186, garde break, 207. Bon, parce qu'à la moitié de sa vie. Faut pas que je regroupe trop mes personnages par contre. Throw knife, 130. On va plus faire d'attaque normale pour qu'il garde de la mana. Area Heal, hop, si, on touche quasiment tout le monde. Et toi, tu vas faire Annihilate. 450. Touche. Qui va se mettre derrière là, paralysis et KO, et maintenant il va attaquer Léon. This life, bon, il est pas mort. Ok, très dangereux ce que je fais là. Je protège le cul de Julia, donc je vais le mettre ici. Je vais mettre dans, ça devrait être suffisant. Alors voyons voir. Oups. Continue avec des gardes break. Non, tu vas attendre. Voilà. Oh, deux niveaux sur le boss qui s'est fait.
Donc il devient de plus en plus fort. Alors, on te soigne. Puissant là. Il va attaquer Ranmel. Allez hop, résiste. Allez, fais un miss. Moitié de la vie. Bon. Je vais me déplacer ici. Non. Prendre le moins de dégâts possible. Après la contre-attaque. Je vais faire une résurrection à distance. Et si Julia se prend une attaque, c'est sûr que ça fait one shot. Alors, hop, pas grave, si t'as pas toute ta vie en mal, je te ressusciterai au prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Ah mon dieu, il décide d'attaquer Julia pareil. Je prendrai une Soulstone. Hop là, hop là, deux en moins. Donc, Maria. Soulstone sur Julia. Ici, et tu vas faire ton garde break sur le côté, touche, pense, toi tu te mets en arrière, si tu fais Mercenary Blow, tu fais 239, si tu fais Assassin Heart, tu fais 313, Slayer, oh, ça marche pas ça. Weapon, cop 1. Ok, il faut vraiment être au corps à corps pour lui. All pose. Ça baisse la résistance au feu. Ça peut être intéressant. 3%. Assassin Art. Alors, là j'ai un mur. Et que lui, il avance de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il peut aller sur le côté de Myria. Mais il va pas pouvoir aller sur Julia. Donc, on l'attaque par derrière. Donne là-haut. Je
pas du temps de vie que ça. Je peux faire un resurrection. Comme ça. Ça marche pas. Voilà. Ouf. One shot pareil. Oh non! Miss. Mauvais choix. Ça me permet de m'éloigner du boss. Je vais possiblement ressusciter ces deux-là. Génial. Utiliser un heal box comme ça. Ça passe, oui. Hop, là, on va mettre Léon devant. C'est sûr que c'est Myria qui va se faire défoncer. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il va pouvoir se mettre à côté de Ronmel. Donc, il faut pas que je bouge. Même quand tu rates, tu gagnes un level. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça, c'était obligé. Allez, Famis. Voilà, Vengeance. Lalalap. Oh, il a one shot même pas. Ça, c'est très bon. Très, très, très bon. A priori, c'est le dernier tour. Donc, Lance Spear, c'est lui qui fait le plus mal. Et en plus, on meurt, on a on tue le boss et on a personne de KO. Ignore. Yes! Ben, ça n'a pas été si dur, juste long. Impossible. Je suis le roi des monts. Faut que je rentre en traduction. Comment pourrais-je battu par les humains? Par de simples mortels? Peut-être est-ce le destin? Le pouvoir de changer le destin. Le pouvoir nous a permis les humains. Non, le pouvoir nous a permis des humains imparfaits. Mauvaise traduction. Google Trad, des fois. Je vois. Les humains sont des créatures des plus intéressantes. Oh, humain. Ne veux-tu pas me dire ton nom avant que je passe, trépasse? Je suis Léon, le commandant du Lion Blanc mercenaire, des mercenaires du Lion Blanc. Oh, Léon, puissiez-vous retourner dans votre monde? Le portail va bientôt fermer. Il ne reste plus beaucoup de temps. Arthnaid. Tout le monde, on doit se dépêcher. Aïe, ah yeah, sortons d'ici. Allez, courez plus vite. Que faites-vous, commandant? Faut se presser. Adieu, Léon.
Je t'attendrai en enfer. Va maintenant. Plusieurs jours plus tard. Commandant, y sommes-nous encore? Le barman a dit que les bandits étaient juste devant. Ok, mais plus important encore, commandant. Qu'est-ce qu'il y a, Mula? Pourquoi nous avons refusé l'offre du roi? Et toujours sur ça? Bien sûr, je suis. Le roi a dit qu'il ferait de toi un général. Pourquoi? Tu l'as fait. Et il a dit qu'il nous transformerait en chevalier du Lion Blanc. On aurait pu être chevalier, Léon. Chevalier! Quand vouliez-vous être chevalier, Mula? Quand voulais-tu être chevalier, Mula? Eh ben, je ne le fais pas, mais... J'aime ce travail, j'aime la liberté que nous, les mercenaires, avons. Je ne m'habitue jamais à toutes les règles de formalité à l'intérieur du château. En plus, Baker a accepté l'offre. Si vous voulez être chevalier, rejoignez-le. Non, je préfère être avec toi. Et je veux pas vraiment... Tais-toi, Miller, je t'enverrai voler. Ouais, je ne mentionnerai plus. En tant que mercenaires débutants, nous devons gagner notre vie. C'est parce qu'on vient de battre un roi démon, le plus vraiment débutant. Patron, j'ai trouvé le bandit. Ce ne sont pas des marchands. Des moments désespérés dans ce pendant. Si vous tenez votre vie, laissez votre argent et fuyez. Ennemi en vue, Claudia. Oui, commandant Léon, à toutes les unités, aux armes. Grâce au Lion Blanc, la rébellion du ministre Kelnar a pris fin. Sans qu'il dirige les appels à la guerre, ce qui le soutient a commencé à se taire. La faction appelant à un cessez-le-feu, dirigée par Balser, gagnait plus d'influence. Ouais, mauvaise traduction. 6 mois plus tard, le roi a pris sa décision. Il a demandé à Sekrark un traité de paix et ils ont accepté. Ainsi, la guerre était enfin terminée. Plusieurs années plus tard, Léon emmena ses lions blancs à une petite île à l'ouest à la recherche de nouvelles aventures. Ils se sont battus contre les monstres là-bas jusqu'à ce qu'ils pourraient former un petit pays. C'est alors que les légendes du roi Lion et de ses beaux lions banneurs commença. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Hop, la dernière save. Et voilà, alors, ça dit qu'on a clear en mode normal. Alors, donc on peut recommencer le jeu en mode maniaque. Mon dieu, one recovery per stage. Pas possible de changer les équipements.
Bon, en normal, on récupère pas de points de vie après un niveau. Not bad. Real deal. Ok, donc on peut... ça relance une nouvelle game. Ah, c'est pas dommage. Hein. Parce que ça reprend du jeu depuis le début. Juste checker ça. On va remettre normal. Plus. Ouais, donc ça reprend le jeu du début. Est-ce que on garde tous les équipements? En tout cas les skills non. Les bandits, blablabla. Ok, niveau 1, non c'est ça, ça reprend pas du début. Enfin ça reprend du début, donc c'est comme un. C'est pas vraiment un game plus, mais c'est quand même weird. C'est un peu bizarre parce qu'on peut pas farmer les missions secrètes. Bon, je vais pas prendre mon temps, plus de temps là-dessus. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et donc pour le let's play de Mercenaries Saga, donc le premier jeu de la trilogie sur la Switch, là, qui est le Mercenaries Saga Chronicle. Donc, j'espère que vous avez aimé ce let's play et que vous l'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cette vidéo, le dernier épisode, avec ce boss qui avait beaucoup, beaucoup de vie. C'était pas si difficile, moi en mode normal, mais je jouerai pas en mode maniaque, là. C'est vrai que le jeu n'est pas si évident que ça, il peut être dur. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cochez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Je vous invite également à mettre un commentaire, et quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.